Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais ça serait bien que chacun, chacune me dise si vous m'entendez ou pas. Est-ce que le son est bon? Marhaba bikoum, j'arrive. Merci beaucoup. Donc, la famille, je suis venu comme d'habitude donner mon avis, d'abord en tant que citoyen mauritanien et aujourd'hui en tant que député du peuple. Le peuple qui nous a élus, le peuple qui a voté massivement pour qu'on puisse continuer à le représenter, mais également à le défendre avec nos moyens, d'être sur le terrain quand il le faut, comme on a fait ce matin. On est venu très tôt à la morgue de l'hôpital national. Nous sommes restés jusqu'à l'après-midi. Ensuite, on est revenu encore jusqu'à tard dans la nuit. Pourquoi tout ça? Parce que tout simplement, quand l'heure est grave, il faut être là. Nous avons été là avant la casquette du député. Nous serons là aujourd'hui que le peuple nous a encore accordé sa confiance pour qu'on soit à ses côtés. À ses côtés dans l'honnêteté, dans la sincérité et dans la vérité. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une situation honteuse, une nouvelle situation. Une nouvelle situation contre un citoyen mauritanien. Partout où un citoyen mauritanien sera touché, nous serons là. Nous serons là avant qu'il ne soit touché, pour prévenir. Mais quand il sera touché, on sera là pour le défendre, pour parler, pour soutenir, pour aller sur le terrain, pour essuyer les grenades. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne sommes pas tués hier, c'est pas aujourd'hui que nous allons le faire. Jamais. Je reviens ici rendre un très grand hommage à Maître l'Id Oul Mohamed Nolou Mbarek, avocat et député, à Diop, président Diop Amatijane, député à l'Assemblée, à l'honorable député Mohamed Lemine Oul Sidi Mouloud, à l'honorable député Balla Touré, mais également à la très chère et honorable Koumba Dada Kane, mais aussi à Ousmane Lo et à toute cette jeunesse qui s'est mobilisée et qui se mobilise pour que la justice soit là pour tous les Mauritaniens. Quand je vais terminer mon propos, je vais aussi parler en Hassanian pour ceux qui nous regardent. Et bien sûr en Poulard. Je voudrais surtout rendre un grand hommage à la famille Diop, la famille du défunt Oumar Diop. Ils ont été très coopératifs. Ils ont été très ouverts. Ils ont été très humains. D'abord en face d'une situation douloureuse. Mais également, ils ont accordé leur confiance à toutes les personnes de toutes les couleurs, de toutes les communautés qui sont venues les soutenir aujourd'hui. Aujourd'hui, à la morgue, on a vu tous les Mauritaniens. Et je sais, et c'est sur ce point que je veux vraiment parler, avant d'aller sur un second point. Je sais que la famille Diop est en train de connaître et va connaître davantage de pression. Une pression
utilisée souvent par les autorités de la Mauritanie, de notre pays, pour pouvoir faire taire la colère, pour pouvoir faire taire toute initiative qui dénonce les injustices. Normalement, un État digne doit respecter la quiétude d'une famille éplorée, d'une famille qui vit aujourd'hui dans la plus grande douleur parce qu'elle a perdu son fils, un être cher. Mais au lieu de soutenir et d'être solidaire avec cette famille, l'État mauritanien, les autorités mauritaniennes font ce qu'ils savent faire le mieux, utiliser la pression, utiliser la parenté, utiliser la communauté, utiliser les chefs, les tribus, les chefs de tribus. Pourquoi? Pour faire taire la famille Diop. L'honorable famille Diop ne doit pas et ne va pas accepter cela. Nous avons vu une famille meurtrie. Nous avons vu une famille déchirée. Tout ça par la faute d'un pays qui n'accorde pas de la sécurité à ses enfants, à ses citoyens. Dans une situation normale, quand moi, Khalid Diallo, ou toi, Aminata ou Mariam, si nous avons des problèmes, si nous avons une peur, nous devons aller au commissariat qui doit être un lieu de protection, un lieu de sécurité. Mais malheureusement, et la triste chose qui arrive, c'est que quand tu vas au commissariat, tu n'es plus en sécurité. En laps de temps, même pas 6 mois à peine, on a vu le cas de Souvi Oulchain. On a vu les tribus, on a vu l'argent, on a vu les relations qui ont été utilisées. Jusqu'à présent, personne ne sait ceux qui ont assassiné Souvi, ils ont récolté de quelle peine. Personne. Les gens pensent qu'on a oublié, on n'a pas oublié. Les gens pensent que les gens se sont tués, on ne s'est pas tués. Mais il faudra que les choses soient claires. Le combat que nous menons, nous avons été toujours limités à certaines choses. Parce que nous ne pouvons pas aller au-delà. Ceux qui doivent aller au-delà, c'est l'État mauritanien. Celui, le premier responsable de notre pays, c'est le président de la République, Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, qui jusqu'à l'heure n'est pas sorti, n'a pas parlé, n'a pas réagi. Et c'est cette communautarisation de nos victimes et de nos situations qui risque de miner notre pays. La Mauritanie appartient à tous ses enfants. La Mauritanie appartient à tous ses citoyens. Malheureusement, tel n'est pas le cas. On a comme l'impression qu'en Mauritanie, il y a des âmes qui ont plus de valeur que d'autres âmes. Et ça, c'est une honte de l'État mauritanien. Je sais, et nous savons tous, que l'État mauritanien va envoyer la pression à la famille Diop pour négocier. On va leur dire accepter, c'est la volonté de Dieu, c'est ceci, c'est cela. Tout ça pourquoi? Pour les faire taire. Mais il faut que les gens comprennent que le cas de Diop Oumar rahmatullah alayh, ce n'est pas le cas seulement de la famille Diop. C'est aussi un cas de l'opinion publique, un cas du peuple mauritanien. Si on rend justice à Oumar Diop, on rend la justice à sa famille, mais on rend justice au peuple mauritanien dans sa globalité et dans sa diversité. Malheureusement, qu'est-ce que l'État a fait jusqu'à l'heure où je vous parle? L'État a fait ce qu'il sait faire le mieux. Envoyer la police, frapper les citoyens, même dans leur maison. On les a frappés dans leur maison. On les a humiliés. Alors qu'à peine, on est en train de pleurer en mort. On n'a même pas encore enterré le corps et qu'on continue à maltraiter. Vous pensez que c'est ça la relation entre des gens qui gouvernent et des gens qui sont gouvernés? Une police qui rentre à l'intérieur de l'hôpital, qui frappe les citoyens mauritaniens et qui n'ont pas jeté de pierre. Ce à qui ils avaient affaire, c'est dehors. C'était pas dans l'enceinte de l'hôpital. Une voiture de la police au PK10, ici au PK10, une voiture de la police qui passe et qui trouve des femmes et des jeunes assis devant leur maison, on leur a jeté des grenades lacrymogènes.
Ce n'était pas loin de chez moi. Je suis témoin oculaire et les gens du quartier sont témoins. Ça s'est passé ainsi dans tous les quartiers. Comment pouvons-nous continuer à accepter qu'on nous maltraite? Comment pouvons-nous accepter que des situations continuent au lieu de nous protéger? Vous êtes en train de critiquer, vous dites que la jeunesse est en train de partir de la Mauritanie, qu'ils sont en train de sauter les murs au niveau, de la au niveau du Mexique. Mais c'est vous les gouvernants. Jusqu'à l'heure où je parle, l'autopsie n'est pas sortie. Le rapport de l'autopsie n'a pas encore été sorti. Pourquoi? Parce que la Mauritanie est incapable de faire une autopsie générale sur son sol, les analyses et tout en Mauritanie, sans envoyer les parties qu'on prend du corps, on les envoie à l'extérieur pour pouvoir faire des analyses. En 2023, c'est une honte pour la Mauritanie. C'est une honte pour ceux qui gouvernent la Mauritanie. Je sais que dans notre police nationale, je sais qu'il y a des hommes valeureux. J'en connais moi personnellement. Des hommes valeureux, des femmes valeureuses dans la police mauritanienne. Mais malheureusement, ils ne sont pas au commandement. Ce sont les abrutis, des gens qu'on prend sans aucun contrôle. On prend, on les recrute. Et quand ils portent la tenue, ils pensent que tout est permis. Ils frappent les citoyens mauritaniens. Ils violentent les citoyens mauritaniens. Ils tapent sur le peuple qu'ils ne respectent pas. Nous ne pouvons pas continuer à nous taire. Nous n'allons jamais nous taire. Nous ne nous sommes jamais tués. Ce n'est pas à cet instant qu'on va se taire. Un pays dont les dirigeants se disent responsables, ils doivent traiter leur jeunesse, leur peuple de façon responsable, de façon digne. Le mécanisme national que nous avons contre la torture, où est-ce qu'ils sont? Ils ont des budgets, ils ont de l'argent, l'argent du contribuable mauritanien. Ils ne mènent aucune visite dans les commissariats, aucune visite dans les prisons, ni dans les entrées, même au niveau des frontières. Le mécanisme national de la prévention des tortures doit être là, doit aller visiter les lieux et doit fournir des rapports. Jamais cela n'a été fait. C'est juste un organe, on engloutit des budgets, on mange l'argent, le peuple n'a qu'à crever. Monsieur le Président de la République, s'il y a un ennemi de la Mauritanie, s'il y a un ennemi de notre pays, ce sont vos collaborateurs. Ce ne sont pas nous qui critiquons l'action de votre gouvernement. Nous mettons de la lumière là où il y a de l'obscurité. Nous ne sommes pas ennemis de notre pays. À chaque fois qu'il y a un problème, on dit, oui, celui-là c'était un drogué, celui-là c'était... On a fait la même chose, le communiqué de la Sûreté Nationale. C'est une honte qu'un communiqué agisse de la sorte. Vous avez fait la même chose. Je pensais que le cas de Souvi a été une leçon pour vous. Mais malheureusement, cela n'a pas été une leçon pour vous. Au moment où vous avez fait un faux communiqué, le médecin légiste, à l'époque, sur le corps de Souvi, a contredit le communiqué de la police nationale. C'est aujourd'hui que nous allons y croire. On ne va pas y croire. Et on n'y croit pas une seule seconde. À chaque fois, vous utilisez des communiqués pour vous protéger. Nous sommes tous des citoyens de ce pays. Vous devez tous nous respecter. Vous devez tous nous considérer. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Soit tu es le fils d'une tribu, soit tu es le fils d'un ministre, soit tu es le neveu ou la nièce. Tout est permis pour toi. Mais si tu es le fils d'un gardien, si tu es le fils d'un citoyen lambda qui vit de sa propre sueur, tu n'es pas respecté. Les frères et les sœurs policiers et policières, vous devez comprendre une seule chose. Nous ne sommes pas vos ennemis. La plupart d'entre nous ont des policiers ici de leur famille. Tous, sans exception. Si je n'aime pas un policier qui sort de ma famille, j'ai un policier qui sort de la famille de mon ami. Ou un policier voisin. Nous ne sommes pas vos ennemis. Apprenez à nous respecter. Nous ne sommes pas des gens violents. Nous ne cautionnons pas la violence. Et la violence est toujours venue de la part de la police. Parce qu'au même moment où une famille est en train de pleurer que son fils a été assassiné, au même moment, au lieu que la police, par respect de la moralité, se retire, respecte le deuil, respecte la situation qui est en train de se faire. C'est elle
qui a mis les pieds à l'hôpital pour pouvoir mater les gens, pour pouvoir frapper les jeunes qui ne vous ont rien fait. J'étais là. Ce que je dis, ce ne sont pas des choses que j'invente. Maintenant, ceux qui créent des comptes là, des Gemila, je ne sais quoi, d'Ivey à Villahman, vous êtes là en train de nous dire oui. Que ouais, les jeunes là n'ont rien à voir, c'est pas lui, il n'était pas au commissariat, ça n'a rien à voir avec la police. S'il vous plaît, veuillez respecter la conscience du peuple mauritanien. Veuillez respecter l'intelligence des citoyens mauritaniens. Vous ne pouvez pas vous moquer de nous. Vous ne pouvez pas nous tuer, nous frapper, nous malmener et revenir faire des communiqués et créer des comptes pour nous dire celui-là c'était un bandit. Celui-là c'était un. Et puis on nous dit dans un communiqué, ouais, il a pris des utilisations mentaux, des produits mentaux. C'est quoi ça? Il faut que vous nous respectez. Il faut que vous respectez le peuple. Il faut que vous respectez les gens. Ça, je l'ai dit durant la campagne. On n'est pas en campagne aujourd'hui. Quand je parlais pendant la campagne, j'ai créé beaucoup de mécontentement chez les soutiens, les gens de INSAB, les soutiens du système. C'est ce que je disais dans le Fouta. C'est ce que j'ai dit en Mbagne, Diop Oumar et de Mbagne. Où sont les cadres politiques de Mbagne? Où sont les maires de Mbagne? Où sont les députés de Mbagne? Où sont les cadres de la vallée? Les cadres politiques de la vallée qui chaque jour nous disent c'est vous, vous nous parlez mal, toi tu es un petit impoli, tu es insolent, tu es ni, tu es na, vous êtes où? C'est ce que je disais il y a quelques jours. Quand on frappe vos enfants, personne d'entre vous n'ose ouvrir sa bouche. Même sa présence, il n'ose pas parce qu'il tremble pour son poste, parce qu'il tremble pour son intérêt. Maintenant, quand il s'agit d'aller négocier avec les familles des victimes, c'est vous qu'on envoie. C'est à vous qu'on confie la tâche. Quand c'est un travail sale, c'est vous qui partez voir vos familles. Vous venez avec des gros boubous pour montrer qu'on en gonihem. Pendant ce temps, vos enfants se font tuer. Je sais que ce ne sont pas vos enfants. Parce que vous, vos enfants, la plupart, vous les avez sortis de ce pays. Pour qu'ils aillent là-bas. Qu'ils soient protégés contre la situation. Vous-même, vous êtes aujourd'hui politiquement impliqués. Vous ne croyez pas à la Mauritanie. La plupart d'entre vous investissent ailleurs, n'investissent pas dans leur pays. Parce que vous ne croyez pas à la Mauritanie. La Mauritanie est une vache à lait pour vous. Et à chaque fois qu'on parle, les gens essayent de vouloir nous faire taire. À chaque fois qu'on critique, les gens nous disent que vous ne faites que critiquer. Nous critiquons mais nous proposons. Nous vous critiquons face à votre irresponsabilité. Nous vous proposons d'être du côté du peuple. Ça, ce sont des propositions. Vous n'êtes jamais là pour le peuple. Vous êtes là que pour vos poches. Vous êtes là que pour vos intérêts. Chacun d'entre vous va aller voir ce soir le président de la République, Khazouani, pour lui dire non, la situation est sous contrôle. C'est moi qui contrôle Mbagne. Je suis de Mbagne. C'est ma famille. Donnez-moi la responsabilité d'aller les voir. Le président vous dit, ok, vous avez la carte blanche. Maintenant, vous venez là-bas, vous vendez le sang de vos frères, de vos fils qui ont été tués. Et au lieu d'investir dans des écoles, au lieu d'investir dans du travail pour lutter contre le chômage, le président de la République que vous trompez tout le temps va investir sur vous pensant que vous réglez les situations. C'est comme ça que vous trompez le peuple. C'est comme ça que vous trompez vos parents. ثم ما تقدوا تتم ولا تكتلوا الناس وتبطوها وتعدلوا له كل شيء ولين تتكلم الناس تقولوا لها الناس لا معارضين هذا كلامهم لا ذنبتوا وانتم في نفس الوقت انا كموريتاني نورمال ما والله اختي مريم والله بنته لا جبرنا مشكله خايفين على نفسنا يالتنا نمشي صار بوليس صار شرطه كان نؤدوا في الامن مؤمنين يا قار شنو هو يخلق ورك ما تلا حد يقيس ما يتلا حد يقيس بوليس نت قيس لا لا تبطل والله تموت والله ينقفل عليك والله تنظم بوليس في الناس اللي تنفع اللي ما نجح دينه وعندنا اصحابنا واخوتنا وهن يشتغلوا في بوليس ونعرفونهم وخيرت بهم يا قار ما فيهم واحد منهم عنده مسؤوليه الاكثريه منهم يقعدوا يعدوا اتاي الناس اللي ما عنده ضمير واللي محترم الوطن ولا تبقي موريتان هي واللي يضالها توت لي ريسبونسابيلتي
وتبقى ذيك الناس تخسر موريتانيا وتدمرها وتجي الناس كامله تنصب للبوليس. وبوليس الناس اللي معلومه معيال تسكت. Les bons policiers, vous ne devrez pas vous taire, vous devrez sortir, critiquer ce qui se passe, prendre position. Parmi vous, il y a de très bons policiers, j'en connais. Mais ça le vit comme Wahdin Salahim, mais ça le vit comme Wahdin Andoum Sharaf, Andoum Kevaha, il y a quand même des gens qui sont en train de se faire. Vous avez de la Qamh, vous avez de la Umf, vous avez de la Bat. Il faut restaurer la confiance. الثقة بين المواطن والسلطة لا يالطو يخلق بين المواطن والبوليس يالله الثقة تؤدفن يقال الثقة خلعنا خلات والدقدقت ولا ثلاث مزية شيء نقول لكم نحن قاعدين هون في نواكشوط معنا قاعدين صور امريكا ولا كندا ولا فرنسا ولا شيء قاعدين هون في نواكشوط وقطينا لا قلنا لكم ولا ترشي ولا انتم ولا مكرينو يقال ما نخطو ما نمعاه العنف ولا انا عنصريين نحن نشتغلوا لموريتانيا وحده موريتانيا جامعه كامله ولاده كاملين نحن ما قطينا خلعنا على رؤوسنا وكاشحين عن وجوهتنا ولا انا طامعين ولا انا خايفين طامعين لا في مولانا وخايفين لا من الرب انتم ما يخوف منكم حد اي الناس هو يشيل ينقبر يعدل لنا وين قال سكتوا لا تتكلموا لا تفكوا موريتان خلوا الامور وهاو الناس اللي يقولوا انهم يمثلوا المجتمع الفلان شمل اكوادرات وناتية الخروطي في السياسة مع الحكومة مع النظام هما واللي يقيسوا الرئيس ويقولوا لنا نحن نقدوا الناس نسكتوا هاو الناس ينطعم شوي بشو سكتوا هاو الناس شنوهم كروهم كانوا يسكتوا هي دولة ما تقتبتنا للظن هي دولة ما تقتبتنا للكذب دولة يالله تتبتنا إلى الوحدة دولة يالله تتبتنا إلى الحق ولا الوزير ولا الشيخ القبيلة ولا القرداي ما هم متساويين في موريتانيا وتعرفوها دولة الوساطة كلها يتوسط كلها ينافق كلها يلحلح الناس اللي يقولوا الحق يالله الناس كاملة تنخلع منها نحن ما نقدر نبني وطن نحن لين تشوفونا نصقوا وتشوفونا نتكلموا بين لائزة موريتانيا كانت ميزة موريتانيا ما نقعدوا هون تمو ماشيين يا قار مو يبين معنا ماشيين هاي دولتنا هذا بلدنا هذو هن ما نحركوا عنهم ولا نجروا ولا نفروا عنهم بينا نحن نبقوا موريتانيا الرئيس محمد الشيخ قزواني يا تطرح البال قطيت لا قلتها لك ولا انت من لا مكررها لك الناس اللي معاك ما فيهم واحد يقول لك الحق يدوروا لا شوي من الفوا ويدوروا لا شوي من الوساطات كل يدور يعين في الرواية ويتم يجي يكذب لك انت ويصب لك كل شيء ويتم انت لا قاعد معناك متصنت للمواطنين سيد الرئيس يالتك تصنت للمواطنين الموريتانيين المهمشين اللي ولادهم ما عندهم تواقد اللي ما فيهم واحد يجي يمشي اليوم منتو والله ولا واحد بوتيك ابارتي ديزر في الليل بانه ما عنده امل وخايف يا قاعد تجيك الناس اللي معاك لا تسير يمين اللي تنافق لك وتقول لك خالي جل الله يتحكم فيه عمر والله زيد لا خلينا نحن نضرب كلمه معاه والله مريم هيك تتحكم فيها حبيبه شي مو حق ما فينا واحد متحكم في حد احنا موريتانيا نبقوها ولا نقبلوا تخسر ولا نخلوا الناس تخسر موريتانيا ولا انا من الناس اللي وتقول للناس مشوف العنف ما انا من ذوك الناس ونعطنا عليكم هنا 20 سنة راينا ما زلنا لا قاعدين موجدة في موريتانيا لله الحمد. يا قار ما انكم صنتين للناس؟ انتم تصنتوا لا الناس اللي تنافق لكم؟ تصنتوا لا الناس اللي تبيع ضميرها وتجي ترد عليكم كل شيء وتقول لكم شيء مو حق؟ ونفس الوقت نتكلم خالد جلال قال هو ذاك لا ما عرض ما ناري شفت انكم معدلين متساويات بين الناس وولاد موريتانيا كاملين مدير ظروف صالحه وجيده ما تليت نتكلم يا قار ما هي خالقه ما انا قال لي تخلق لا كوربسيون مرتني كوليدي فناندي مرتني كوليدي فناندي مرتني ما هي كوي فناندي دم كلامو هالاندي دم كنافيك كلامو هالاندي دم هالاندي غونغ وندمين واي نو جوني كا ديبيتي نو دي هالاندي فدا هالاندي كاتون كو مايكو
On est des citoyens. Mais les gens qui ont dit que 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 à chaque fois, on a dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit chaque fois, on a dit que les gens qui ont dit tant qu'on a dit que les gens qui ont 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 wara Oumar Diop eo jo non to cadre di ngol cadre di politique di hotobe ngol wala ko kala no mi nyandel mi do don maye hande de mi nyali ko mor hay gote mon hay belum dara gi don kono on ngandi ko mbawdon ko accude ha hunde de wula jaw njonto president chor chor ton ngaran biyo president no minen ko minen jeyi mbay ko minen mbay hal so min kalima yimbe kedo min ko president forno wadde mbay ko fof ko on do kere dum kalis ko non bitro do mbade dum o don puntir dum bandira mo don o don leli der galleji mo don kubi climatiseur uji taw ko bubol jahannama hubare der galleji mo don wana onon fof no eh kan do kalmi nangé wonde wana onon fof kaldre en wadé mo dimbe fewbe hay soko seda ko be ngonani derde be ngonani der lamude e be tacci mon tan ko be ngonani der Oumar Diop nana waramade to gonnon Tongonnal jeunesse même jeunesse Mauritanie ndado de leydi ndi so njibe ngudditi lawol be ngacci yimbe be na jaha Nicaragua lamu meeda ettude décision parce que be njidi ko bibbe leydi Mauritanie fo yo njaltu Mauritanie be njidi ko yen ndog be njidi ko hore njodudo nyande fo be pimen be baramen ko na laago jogarden comme solution so na ngare yimbe jaha 3 millions, 4 millions, yetta mbada e biye mbada e fof pour yaya adi yidi dandudi horema kono ko cikraade dando horema ko ade no uddita damal jahannama bibbe ma parce que ko dum la Mauritanie laamu yidi ko ngopendo laamu yidi ko ndogen laamu yidi ko kulen en kulara en dogara so mayde ari bismillah min gubbe nela rasulullah sallam yehi babam yehi bamum goddo yehi nenam yehi yumum goddo yehi firt ko len fokete hoode kono non lelade der gaska aflade nyamu ya rawde koy gonga badda dum kono wana yede bellere bandirabe ma ngaraay president biya way ko min ko minen jeya mbagn ko minen ngoni yontabe mbagn president e min ba yad min regle yadum fat min jaha galle job min essay wadde mak pression min gadda courage min gadda bandiragal wana bandiragal adre ko bandiragal wana bandiragal bande na asan ma ngaska yamay on ko bande sousa dardade ma sawara nam on ko bandirabe sey labe hor punte yimbe be hor kanjine min mina gor wa funtul min en wadi kadi des magistrats des juges be ngandumi ko mo djubi des procureurs honnêtes existent en Mauritanie mais malheureusement ils sont comme les policiers ou les gendarmes ou les militaires honnêtes. Ils sont relégués au second plan. On leur confie aucune responsabilité parce qu'on a peur de leur honnêteté. L'État mauritanien, il ne promouvoit, il ne donne des grandes décisions qu'à des gens qui sont des collaborateurs du système, qui sont là que pour détruire le peuple, qui sont là que pour détruire leur communauté et qui ne seront là que pour leurs intérêts. C'est eux que nous combattons. Nous ne combattons pas les justes. Tout un pays, il ne peut pas y avoir que des pourris. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens bien, honnêtes. Il y a des généraux bien. Il y a des agents, sergents de l'armée bien. Mais malheureusement, ceux qui sont malhonnêtes, c'est eux qui sont aux commandes. C'est eux qui prennent les décisions. Et c'est eux qui protègent les criminels. C'est eux qui mettent la violence contre notre peuple. C'est eux qui détournent l'argent de notre pays. C'est eux qui laissent la corruption gouverner notre pays. Ces gens-là, on va les combattre. On va les combattre. On va les combattre par la vérité, par le respect, par la politesse. Mais quand l'heure de leur dire la vérité viendra, on ne va pas hésiter une seule seconde. Qu'est-ce que vous pensez? Que ouais, maintenant il est député, il va se taire. Mais vous rigolez? Moi, je ne cherche pas des licences de pêche. Je ne cherche pas à manger ou à boire. Je suis venu par la volonté du peuple. Et sur autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que vous pensez? Anne, mais nous sommes
قطيت قلتها لكم وما زلت لا قايلها لكم. انا ما نسكت، انا ما نسكت ولاني ليل سكت. Nos marabouts, nous vous respectons. Nos imams, nous vous respectons. Nous vous aimons. Mais nous vous demandons de prendre position clairement, de dénoncer. Aujourd'hui, j'étais très content de voir qu'il y a des imams qui sont venus à la morgue. Un imam, je ne dirai pas son nom pour le protéger. Un imam a dit à l'intérieur de la morgue, parce que j'étais à l'intérieur de la morgue. Je ne raconte pas des choses que j'ai entendues. Je les ai vus et entendus de ma propre oreille, de mes propres oreilles. Un imam, devant deux commissaires, à l'intérieur de la morgue, il a regardé le corps de Omar. Il a dit, celui-là, il a été torturé. Et automatiquement, les commissaires ont voulu le menacer. Toi, tu ne dois pas dire ça, parce que toi, tu es un imam. Mi wira man ko boni sabu mbe ande mon hewbe ko yimbe mojjube ko yimbe teddube ko yimbe yidbe bamtare leydi ndi bandirabe julbe ndi do leydi sen dartaaki darnde non ko hakkilantagal darnde ko jojere darnde wana werdade kaaji nas li tizrik al ahzar walla tuddi al unf walla tahrak shi ana kharijalo mani da'ama wala ni lena da'ama داك تم لا تفكروا بي قطيت لا قلت لكم ماني من هالعنف انا من الناس اللي يبقوا موريتان بي اللي ما عندي بلد اخر ولا عندي جنسيه اخرى ولا عندي دوله اخرى واحده عندي لا موريتان ونختار عن مكه المكرمه انا للراجل عندي لا موريتان وموريتان نبقى فيها اولادي يقراوا هون وساكنين هون وياكلوا من مرايسه سوسيم هذه والله مرايسه بيكا معناه ما طرشي تشوفونا نتكلموا وتشوفونا نقول لكم ذو النوع من الحقائق عرفوا عنا ملينا منكم وفترنا وخلينا وخليتونا نتكلم دي فاهم دي وي le président de la république c'est quelqu'un de bien président de la république pour moi Khali c'est pas quelqu'un de bien s'il était quelqu'un de bien il va mettre des gens bien qui vont venir gouverner qui vont venir travailler mais à chaque fois on nous tire. À chaque fois, on nous torture. On torture aussi, je le dis ici, pour que ça soit clair. Il y a des morts, des frères morts. Un frère mort a été récemment torturé à Attar. Jusqu'à qu'il est mort. Je l'ai publié sur ma page Facebook. Maintenant, on est là pour tout le monde. On n'est pas là pour les Alpulars, les Haratines, les Wolof, ni Soninke. On est là pour les morts, pour les métis, pour la dignité humaine. Nous, notre combat, c'est un combat de dignité humaine. Notre combat, c'est un combat d'égalité. Notre combat, c'est un combat d'équité. Notre combat, c'est un combat de justice. Quand il y aura justice pour tout le monde, on va se taire à jamais. Mais malheureusement, la Mauritanie, c'est un pays injuste. Beaucoup de gens m'appellent. Khali, rien tout. Fais attention à toi. Les gens vont te tuer. Ils vont ceci, ils vont cela. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Moi, jusqu'à cet âge-là, c'est Allah qui m'a protégé. Manage. On n'a pas peur de vous dire la vérité. On n'a pas peur de vous faire entendre la vérité. Je rends un très grand hommage à Maître l'Eid, Oul Mohamed Oul Mbarak, qui est resté à l'intérieur de la morgue de 8h jusqu'à 16h pour suivre avec les autorités en tant qu'avocat de la famille qu'il a désigné sur le champ. Pendant ce temps-là, où sont les députés de INSAF? Où sont les avocats de INSAF? Où sont les soutiens de Razouane? Hein? Les cadres de la VLE qui soutiennent Razouane. Tongon non. Minko jas remonde. Wadi miwawa respectu le monde. Miwawa. On a donc un des présidents.
onon bidon president ko onon tan hedoro onon so pandira mon barama ngani mala president yi on dari mon o and ko hunde tindi kono wana gonga ndaran don ko koyem ndaran don ko galleji mon ndaran don ko posuji mon so dum yonti kutor dan amen kutor dan islamen so min dañi neddo wara onon kutorto onon bada chorchor jam onon chorchorto onon galle galleji imbe onon biye imbe jinnabu men tinne baden arrangement Allah wi maslaha Allah wi yani fenande de Allah wi ko masle gonga o yani o maslu fenat min ñande fogu dum min kalar so min kali biye onon juufo onon maye ko haati jamen ñande mbattudon dardade besmungu ñande mbattudon dardade leydindi ñande mbattudon dardade do gongo woni wallahi summa wallahi mam wad video mi mon yon jafon ko mi wera non parce qu'on batta dum on batta dum en wadde mon yimbe modjube yimbe feewbe me ben gala responsabilité hay darbe ngona so ben nana me ministère be batte don ko chef de serviciel wala hunde fami taw kambe mbay dépasser dum de très loin c'est triste la représentativité de toutes les communautés aux institutions de l'État c'est cela qui va garantir le rétablissement de la confiance entre les citoyens, entre le peuple et l'État mauritanien. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on l'a vu, la Mauritanie, je vous dis, on a fait une autopsie. Ce qui rend l'autopsie pas possible à disponibiliser, on peut faire que partiellement. Le rapport là qui va sortir demain, c'est un rapport partiel, ce n'est pas un rapport définitif. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines analyses qui se font, la Mauritanie ne peut pas les faire en Mauritanie, il faut les envoyer à l'étranger. Mais ça, c'est catastrophique. Et après, vous allez nous dire indépendance, 63 ans, 70 ans, vous faites la fête, vous sortez les chars de combat, vous montrez que vous avez acheté du matériel de sécurité, mais vous n'êtes pas capable d'investir dans des laboratoires. Vous n'êtes pas capable de ramener des Mauritaniens qui sont en train de travailler à l'étranger, dans d'autres pays, de très bons médecins légistes, de très bons cardiologues, de très bons gynécologues, de très bons chirurgiens bucco-dentaires. Qui sont à l'extérieur, qui travaillent en France, aux États-Unis, un peu partout, au Rwanda, au Sénégal, vous n'êtes pas capable de les ramener. Vous n'êtes pas capable d'acheter du matériel de dernière génération. Vous êtes capable de quoi? Vous êtes capable de détourner l'argent du peuple. Vous êtes capable de laisser la corruption sévir dans notre pays. Vous êtes capable de monter les communautés les unes contre les autres. C'est ça votre force. Votre force n'est pas de construire le pays. Votre force, c'est de toujours détruire le pays. Votre force, vous qui gouvernez la Mauritanie, c'est que quand il y a des esprits libres qui pensent positif du pays, vous êtes capable de les écraser, de les matraquer, de les frapper et même de les assassiner. Vous êtes capable de ça? Mais vous n'êtes pas capable de promouvoir l'innovation. Vous n'êtes pas capable d'aller ramener, de puiser dans la diaspora mauritanienne. Aux États-Unis, en France, je dis même en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, vous n'êtes pas capable. Vous êtes capable de malmener le peuple. Vous êtes capable de maltraiter le peuple. Vous êtes capable de violenter votre jeunesse. Au lieu d'être capable de faire travailler votre jeunesse, au lieu d'être capable de former votre jeunesse, au lieu d'être capable d'aider votre pays à aller de l'avant, à construire des bonnes routes, à faire exister un plateau médical valable dans nos hôpitaux. Vous n'êtes pas capable de prendre en charge un enseignant, un professeur dans le service d'éducation qui sacrifie sa vie pour aider votre population. Vous n'êtes pas capable de les aider. Vous êtes capable de donner à vos épouses des millions d'aller se soigner à l'extérieur, d'aller accoucher à l'extérieur. Vous êtes très fort dans ça. Vous êtes très fort dans la distribution de l'argent pour le voyez-moi dans les mariages, de l'argent volé. Tu as 1 million de Guyane, mais ton train de vie, c'est 10 millions. Kagoudjou, Ali Gadji, Kagoudjou. Chers Mauritaniens et Mauritaniennes, refusons de tomber dans la division. Refusons qu'on nous montre. Aïnélikoum Touma, le Mouchtama al-Hassan. Abaou, min rit tevriq ali mu'adla al-nas. Nain k'til foulani ngala, la foulani k'til. Ou n'est-ce pas le biwan ingala, le biwan ingala, mais on ne gabline.
ديواني مهم عندنا، فلاني مهم عندنا، حرطاني مهم عندنا، والفي مهم عندنا، سبق الله مهم عندنا، ولاد موريتان كاملين نمثلهم ونبقوهم ومهمين عندنا. واحد منهم امتس امتس يتعانى وامتس يتنت. عايش قيلة التفريق المعدلة لنا نحن ما لنا قابلنا، ما لنا قابلنا، وما يبين قابلنا. نحن سي بارلا لا جينيس شير جن دو توت لي كوميونيتي. ريفيزي كون فو ديفيز، ريفيزي كون فو فاس بورتي ان ديسكور راسيست. Refusez ceux qui viennent vous dire non, celui-là c'est un mort, celui-là c'est faux. Installez la confiance entre toute la jeunesse de notre pays. La seule force de frappe que nous avons aujourd'hui en Mauritanie, c'est de réunir tous nos enfants, c'est de réunir toutes nos communautés. L'État mauritanien, il faut le combattre avec toutes les communautés, pas avec une seule communauté. Parfois la police vient vous trouver, il vous provoque pour que vous répondiez par la violence. Refusez cela. Soyez des jeunes responsables, comme vous l'avez toujours été. Soyez des jeunes qui n'acceptent pas qu'on leur marche dessus. Soyez des jeunes responsables, comme vous avez toujours été. Malgré que l'État ne vous considère pas, malgré que l'État n'investit pas dans la jeunesse. Restez dans votre pays. Restez en Mauritanie. Le vrai combat, c'est ici en Mauritanie. Restez chez vous. Restez en Mauritanie. N'acceptez pas qu'on vous fasse partir de votre pays. Ça, c'est votre pays. C'est le pays de vos arrière-grands-parents qui ont combattu pour son indépendance. C'est le pays de vos pères et mères qui se sont investis pour vous. N'acceptez pas qu'on vous mette dans la tête que vous êtes des étrangers sur un sol dont vos arrière-grands-parents ont travaillé. Ne l'acceptez pas. Respectez à l'autre qui n'est pas de ta tribu, de ta communauté. Respecte-le par rapport à ce qu'il est. N'accepte pas que le racisme instauré par l'État mauritanien, n'accepte pas qu'il infecte ton cœur. Moi, c'est le message que j'ai. Et c'est le message que j'aurai toujours. Et c'est le message que je vais toujours prôner. Un message d'unité. Un message de tolérance. Un message de respect. Il faut se battre pour son droit. Il faut se battre pour ton droit. Mais tu ne te bats pas par la violence. Tu ne te bats pas par l'insolence. C'est très important. C'est très important à la diaspora de mon pays, aux membres de la diaspora, la communauté de la diaspora mauritanienne, partout où vous vous trouvez. Ramenez vos enfants dans votre pays. Pendant les vacances, sacrifiez-vous. Venez avec vos enfants. Amenez-les en Mauritanie. Qu'ils découvrent leur culture, qu'ils découvrent leur histoire, qu'ils découvrent leur identité. Parce que notre jeunesse, nos enfants de la diaspora, la plupart d'entre eux, veulent nouer des contacts avec la Mauritanie. Mais certains parents, malheureusement, n'ont pas su le faire. Battez-vous. Revenez chez vous. Investissez. N'ayez pas peur. Malgré qu'il y a des injustices dans notre pays, combattez-les. On va les combattre ensemble. Je vous remercie et je remercie tous les auditeurs, tous les téléspectateurs. Je remercie tout le monde. Je remercie surtout le peuple mauritanien qui a été très grand, qui continue de soutenir la famille Diop. La famille Diop a besoin de nous. La famille Diop a besoin de notre présence. La famille Diop doit nous voir tous les jours. Nous devons être à leur côté. Nous devons les soutenir, être solidaires avec eux. C'est très important pour que la pression qui sera mise ne soit pas là pour avoir raison sur le combat que nous menons. Soyez déterminés, soyez engagés, soyez calmes. Calmez-vous. Ne répondez pas à la violence par la violence, chers jeunes. C'est ça que la police utilise. C'est ça que l'État utilise. Soyez unis, soyez solidaires. On peut marcher, on peut combattre, on peut se mettre debout sans jeter une pierre. On peut subir la mort. Le combat pacifique, c'est le seul combat qui a des garanties d'aboutissement. Le combat de la violence ne servira jamais. C'est mon intime conviction. Mon intime conviction, c'est que nous ne devons pas brûler notre Mauritanie.
La plupart de ceux qui nous gouvernent, qui veulent qu'on brûle le pays, c'est des gens qui ont acheté des maisons à l'extérieur. Dès que ça commence à brûler, ils vont tous fuir la Mauritanie et nous laisser notre pays en sang. Refusons ça. C'est ma position, c'est mon intime conviction. Elle est gandé, elle est fofso, walde yonti, sagata ben gandé, elle est keptine. Darade le wulle, commune, gorko. Donc voilà, ni gorko. Nangé hatide, nangu tire. Son bedama kadi, horin jabode. Son bedama grenade, hotu ndute kadi. Ngandine be on kula nibe. Kono hotu pie hay gotu. Min wi, min khali wi. Sada habe, ardin hakilan tagal. Misal mini on onon sukabe yo Allah junnu balle mon onon sukabe yo Allah renon onon sukabe yo Allah sembinon Monsieur le président de la République, c'est à vous que je fais ce message de conclusion face à ce live. Monsieur le président Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, laissez la jeunesse mauritanienne s'épanouir. Laissez la jeunesse mauritanienne vivre. Ordonner à toutes les forces de sécurité de se retirer de nos quartiers, de laisser notre jeunesse vivre, d'arrêter les rafles de ségrégation qu'on fait contre notre population. Au 6e, c'est le blackout. À Sepra, la même chose. Au PK, la même chose. Pendant ce temps, on laisse Tebrak Zeina en son et en lumière. Monsieur le Président, ce n'est pas cette manière de gouverner qui permettra aux Mauritaniens d'être ensemble. Monsieur le Président, prenez vos responsabilités. Assumez vos responsabilités, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'histoire vous jugera comme vous êtes en train de juger Mohamedou Abdelaziz, que l'histoire est en train de juger lui aussi à son tour. Monsieur le Président, vous ne serez pas éternellement là. Vous êtes un homme. On vous souhaite une très longue vie. Mais vous êtes un homme appelé à mourir. Un homme appelé à vieillir. Un homme appelé à tomber malade, car là vous accorde la santé. Monsieur le Président, nos discours sont très durs concernant votre régime, concernant votre manière de manager, parce que nous ne sentons pas votre présence. Nous ne sentons pas que nous avons un président. Nous sentons que nous sommes livrés à nous-mêmes, à des forces de l'ordre dont certains sont des zélés, ne nous respectent pas. Ils nous frappent, ils nous humilient, ils nous tuent dans des commissariats. On ne l'accepte pas, Monsieur le Président. On ne l'accepte pas, Monsieur le Président. Nous sommes des enfants de ce pays. Nous sommes les enfants de cette Mauritanie que nous aimons au plus profond de nos entrailles. Je termine mon propos pour Douanade, Oumar, Diop, yo Allah yurmoma ya fom, yo Allah harnuma aljanna, yo Allah faw gonga e do fenande, ya ko Allah yidi nela sallallahu alayhi wa sallam, ya barke gawri e kosam, ya barke yidde leydi ndi, ya barke yidde min leñol ngol, yo Allah faw gonga e do fenande, yo Allah renen, yo Allah renen, yo Allah renanen, sabu ko Allah ran wayu rende. Onon non jinnabe be jinnabe Oumar Diop yumma hen baba hen mawnirare hen minirare hen yo Allah sembinon yo Allah sellinon yo Allah susnon yo Allah beydal mon muñal sabu ko kebdon ko ne musi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته.